Avec une incise. C'était très bien. Mais ils ont repris, alors ils ont repris mon truc de quelque part. Alors, oui, non, par un autre journaliste. Mesdemoiselles et messieurs, consécutivement à la restructuration des organes et à la désignation de leurs animateurs, les 9 composantes du rassemblement se sont réunies ce jeudi 9 mars 2017 sous la présidence de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du rassemblement, en la résidence du feu le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Au cours de la dite réunion, les 9 composantes ont rendu un vibrant hommage à feu le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, initiateur du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Procédé à la présentation officielle et solennelle de M. Félix-Antoine Tshisekedi et Pierre Lumbi, respectivement président du rassemblement et président du Conseil des sages du rassemblement. Ouvert le processus de désignation par consensus des autres animateurs aux postes actuellement vacants dans les organes du rassemblement, notamment les 3 postes de vice-président du Conseil des sages, du coordonnateur des actions, de ses 4 adjoints, ainsi que de tous les membres de son bureau. Le président du rassemblement a été chargé de prendre tous les contacts nécessaires avec toutes les composantes à cet effet. S'agissant des défis politiques de l'heure, les composantes réitèrent les engagements pris par tous les membres à la conférence de Genval afin de relever les défis de l'alternance et du changement démocratique dans notre pays. Observe avec inquiétude la détérioration des conditions de vie de la population. Condamne la recrudescence de l'insécurité généralisée, de massacres, de tueries, de violations massives des droits de l'homme qui règnent sur l'ensemble du territoire national. Interpelle le pouvoir en place quant à sa responsabilité dans le blocage de la sortie des crises et les met en demeure
de prendre conscience de la gravité de la situation politique actuelle qui conduit les pays inexorablement au chaos. Le rassemblement souligne que l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain du 31 décembre 2016 est actuellement l'unique source de légitimité des dirigeants de toutes les institutions politiques de la République démocratique du Congo, en ce compris le président de la République. C'est pourquoi le rassemblement exhorte toutes les parties prenantes à l'accord à œuvrer pour sa mise en application intégrale et rapide. À cet effet, la direction politique du rassemblement prendra contact avec tous les partenaires concernés en vue de la finalisation et de la signature de l'arrangement particulier dans les plus brefs délais. Le rassemblement encourage la CENCO à poursuivre sans désemparer sa mission de bons offices. Le rassemblement remercie la communauté internationale pour son accompagnement soutenu apporté au peuple congolais dans son combat pour la démocratie, le respect des droits humains et de l'état de droit. Le rassemblement appelle tous les Congolais à ne point perdre espoir, à redoubler de vigilance et à se tenir prêts à répondre à ces mots d'ordre pour le triomphe des idéaux démocratiques auxquels le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba a consacré toute sa vie. Fait à Kinshasa le 9 mars 2017 pour le rassemblement, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.